je suis mort. Quel bien ça fait de reprendre le sport. Je morfle, c'est clair, mais ça fait du bien. Je viens de faire 45 minutes de séance cardio fitness home. Maintenant, petite douche et go pour le bureau. Honnêtement, on en parle du look ou pas? Ils sont tellement ouf ces pulls, bougez pas. Casse-toi pas la gueule, casse-toi pas la gueule, casse-toi pas. Ouh, c'est pas bon signe là. Ouh. Ils sont pas ouf? Honnêtement, ils sont ouf, non? Moi je kiffe trop. Dans ces périodes Covid, enfin Covid, mais quand c'est compliqué un petit peu sur un plan business et un plan motivation et psychologique, c'est durant ces instants que je me surcharge d'autres projets de sport, de lecture, de méditation, bref, il faut que je m'impose des routines en fait. Et ma stratégie elle est simple, c'est vu que c'est dur dans le business, vu que c'est dur maintenant avec l'entreprise, qu'il faut de nouveau se raccrocher à fond, mais en fait j'essaye de faire d'autres choses à côté pour réussir à avoir d'autres petites victoires et garder cette confiance, garder la motivation. C'est pour ça que chaque fois que j'ai une période qui est un peu dure sur le plan business, je me blinde de plein d'autres choses, de sport, de machin et tout. Et du coup, bah, je m'accroche à d'autres réussites et c'est ce qui fait que ça me blinde d'énergie, ce qui fait que j'arrive à rester vraiment motivé et inspiré. Bonjour Loïc. Oui, ça va? Ça va et toi? Bien. Après cette vidéo? Presque. Et toi? J'ai trop hâte, mec. Tiens mec, ton pull d'air. Oui, eh ben, c'est juste. Ouais, merci beaucoup. Loïc, bienvenue à la confrérie des audacieux. Ah, c'est tellement fort ce truc. Attends, je suis pas habitué, mec. Ça fait 2 semaines que j'ai un plus pris. Ça réveille. Bon, juste maintenant, j'ai un Teams call avec une entreprise IT de la région genevoise qui est intéressée par une stratégie marketing. C'est une jeune boîte qui vient de se lancer il y a pas longtemps. Ils sont déjà 3 collaborateurs. Du coup, on croise les doigts, mais ça va être un petit Teams call pour essayer de planifier la suite. Allô? Tu m'entends? Oui. Super, parfait. Go pour aller manger, on doit acheter maintenant des cartouches d'encre pour l'imprimante, on n'a plus. Et j'ai envie d'envoyer plusieurs courriers à des entreprises de la région, du coup, il nous faut de l'encre. Comme c'est triste mec, t'as vu? Putain, les pauvres. C'est trop bon ce qu'ils ont fait ici. Là, on est pas trop, tu sais. Oh, c'est pas tout, mais il nous faut les cartouches là. Je sais même plus lesquels mec, c'est Epson, je crois que c'est 202X, là. De 8 ans de balles mec. C'est 8 ans de balles mec. Putain, 8 ans de balles pour des cartouches. Franchement c'est... Tu payes quasiment que dalle l'imprimante, je crois que c'est genre 8 ans de francs l'imprimante. Et après tu douilles pour les cartouches quoi. Je prends pas mec hein. Pas? Moi je mange sainement moi, comme t'es un faible. Pourquoi? Ah bah je rêve mais je craque pas mec, je te jure. Je craque pas mec. Allez prends 20. Mec, tu saoules. Avec ça on peut partager. Je suis faible psychologiquement. Ah j'ai craqué, je suis faible psychologiquement. Mais Loïc c'est un excellent commercial. Il m'a convaincu de prendre les chicken nuggets. Son argument vente c'était quoi? C'est des protéines. T'es un bon commercial, mec. Hein. L'arme du crime. Attends, mais il y a des biscuits en dessous en plus. Ah, on a blessé ces biscuits. Trop de tentation là. Oh. Ça, c'est mon petit placin. Hein. Du petit riz avec des légumes et des falafels. Avec une frite. Merci, mec. Ce qui est triste, c'est que je sens rien. Bah, j'ai un micro-goût qui revient du nugget, mais genre, je pense que j'ai retrouvé 2% de mon goût. Même mon odorat, mais trop triste. Hop. J'ai envie de prendre un instant pour parler avec vous d'un Skype que j'ai eu justement ce matin avec un client potentiel et pendant lequel on parlait un petit peu. C'est une boîte IT qui est donc très technique dans ce qu'elle fait.
Et on parlait un petit peu de son positionnement, sur comment est-ce qu'elle se différenciait par rapport à ses concurrents. Et c'est vraiment, c'est un gars qui a lancé ce projet, qui a lancé cette entreprise, et qui est vraiment à ses tout débuts. Et un instant, je lui ai demandé qu'est-ce qui le différenciait d'autres entreprises. Et là, il me dit, bah, nous, à l'interne, il n'y aura pas de niveau de barème financier. On aura tous le même salaire, qu'on soit secrétaire, qu'on soit chef de projet, qu'on soit directeur. On aura tous le même salaire. Et il me dit, c'est ça mon argument qui va me différencier d'autres entreprises. Et on a une façon de travailler qui est vraiment différente pour ci, pour ça. Et il me donnait plusieurs avis, en fait, et plusieurs arguments sur sa propre structure. Et à aucun moment, il me parlait, en fait, du client. À aucun instant, il m'a dit, nous, on va répondre à ce besoin de cette façon. Nous, on va apporter aux entreprises cet élément qui sera différent d'autres entreprises qu'on pourrait connaître. Donc, c'est bien de penser à nous, c'est important. C'est bien de raffiner son projet, c'est vraiment ultra important de le faire, c'est clair, mais ce qui est encore plus important, c'est vraiment de comprendre son client. Et si on comprend le besoin de son client, si on sait exactement quel besoin il a, alors du coup, on saura quelle réponse lui apporter. Et je pense que plus on connaît son client, plus on connaît ce besoin qu'il a, plus on pourra en fin de compte se démarquer d'autres entreprises. Et du coup, on a travaillé ensemble et à force de gratter, de lui poser des questions, de voir un petit peu différentes choses, je me suis rendu compte que il arrive à garantir un retour sur investissement parce qu'il a une sorte de logiciel et une façon de travailler digitale qui permet à ses clients de gagner du temps et de l'argent. Donc ça, par exemple, c'est un argument qui est ultra intéressant. Et l'autre argument, c'est qu'il veut jamais se rendre dépendant avec ses clients. Dans son domaine, il y a beaucoup de boîtes qui font des mandats sur 3, 4, 5 ans. Lui, il procède au mois. C'est chaque mois, donc ses clients peuvent se barrer quand ils veulent. Ils ne sont pas loqués, ils ne sont pas verrouillés avec lui. Et là, c'est deux argumentaires qui sont ultra intéressants pour le client, pour le besoin du client. S'il y a un client qui a un besoin spécifique dans ce domaine-là, bah, de savoir que s'il passe par sa boîte, il aura un retour sur investissement, qu'il va réussir à jamais être bloqué, qu'il pourra, quand il le veut, quand il le souhaite, arrêter de bosser avec cette boîte-là. Là, c'est des arguments qui vont directement influencer sa prise de décision. Et je pense que c'est très important de prendre de la hauteur, de se sortir la tête vraiment de notre contexte, de ce qu'on veut réussir à créer comme valeur pour vraiment faire de l'empathie à fond et comprendre son client. Ça, on a plus des mots-clés émotion. Plutôt que de donner des ordres aux gens, plutôt que de donner des conseils sur leur façon de gérer. On est maintenant en train de terminer les réflexions pour une campagne qu'on va lancer. Je pourrais vous la montrer dans cette vidéo, dans cet épisode. J'en ferai juste après, dès qu'elle sera prête. Loïc bosse maintenant dessus depuis quasiment plus de deux semaines. Et du coup, c'est de faire une pub vidéo qu'on diffusera sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, on ne sait pas encore, on verra. Dès qu'on aura fini d'avoir la version finale de la vidéo, je pourrai la montrer dans cet épisode. Il est maintenant fin de journée, il fait tellement vite nuit, c'est abusé quoi. Il est 5h15, on dirait qu'il fait déjà nuit là. Mais la vidéo est terminée et je suis super, super content du résultat. Vraiment, elle est tellement ouf, je trouve qu'elle embarque à fond. Vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est maintenant qu'on va envoyer le paquet. Vous risquez de la voir sur les réseaux si vous êtes basé en Suisse. On va vraiment cibler la région suisse romande pour commencer avec un budget assez conséquent pour réussir un petit peu à se rendre visible. Et la mission, elle est simple, c'est faire en sorte que DER devienne un choix parmi les entreprises, les agences qui pourront aider une entreprise à faire du marketing. Et vraiment, c'est d'entrer un petit peu dans la tête des gens, c'est leur montrer un petit peu qu'on existe, leur montrer qu'on est là, leur montrer qu'on est différent et qu'on a une façon de voir les choses qui est pour le coup vraiment audacieuse, qui est DER comme on le dit. Je vous montre la vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. 3, 2, 1, play. Fail big. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams.
je la kiffe tellement. Je trouve qu'elle est, personnellement, je trouve qu'elle correspond trop à l'univers d'Air. Luc a vraiment bien réussi à cerner un petit peu l'univers qu'on essaye de créer. Je suis trop content, j'ai vraiment hâte de voir les retours. On va la lancer demain, on va la laisser tourner pendant environ un mois. Et on va faire des tests, voir un petit peu comment est-ce que les personnes vont y réagir, si ça engage, si les gens la regardent jusqu'au bout ou pas. Donc on va d'abord commencer par la diffuser. Et une fois qu'on aura de la donnée, on pourra prendre cette donnée pour réussir du coup à l'utiliser et à l'exploiter un petit peu pour réussir à créer d'autres messages qui pourront du coup mieux parler aux personnes qui auront vu la vidéo. Mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà ce qui résume cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, autant qu'à moi en tout cas. Il va falloir qu'on trouve une solution parce qu'avec ces lumières, il fait tellement orangé dans ce bureau, surtout vers l'hiver qui approche. Mais au moins on est bien, c'est cosy, c'est tranquille, donc c'est le plus important. Bah, voilà ce qui résume l'épisode numéro 31, on se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 32. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. À bientôt, ciao à tous.